Je crois que d'abord je suis très heureux d'avoir accompli ce devoir, d'avoir accompli mon devoir citoyen. Nous avons connu quelques turbulences. Notre avion est entré dans une zone de turbulence. Nous avons été tous très prudents, chacun a attaché sa ceinture solidement. Et là, notre avion atterrit, et atterrit bien, sans encombre. Maintenant, pour ce qui est du déroulement, les zones les plus chaudes, là où on pouvait avoir quelques appréhensions, c'est Brazzaville et Pointe-Noire. Je crois que vous-même avez des échos. Le vote se déroule bien, il se déroule normalement sur toute l'étendue du territoire. Et je crois que là, on peut tirer notre chapeau très bas, le mien, je l'ai sur la tête, mais je crois qu'on peut le tirer très bas, notre chapeau, devant le peuple congolais. C'est sa victoire et c'est la victoire de la démocratie. Nous femmes, hein, ça emmène à la parité et ce n'est pas rien et je pensais qu'à un moment comme ça, un grand moment historique, d'un grand tournant de l'histoire de notre pays, je ne pouvais pas être absente et puis en tant qu'élu, hein, élu du quartier 68 Talangaï, je ne pouvais pas ne pas venir voter.